Adam se bat. Salut à toi, mon très cher frère. Hey, Adama, c'est chaud. J'ai dit, c'est ce qu'on dit toujours aux militants du RHDP. Ne nous pressons pas. Vous savez, quand vous décidez d'être opposant du RHDP, nous, on s'assoit dans la tribune et puis on vous regarde. Vous voyez, depuis hier, sinon depuis quelques jours, le président du PDCI a commencé à parler. Tidiane Thiam. Le Thiam de Yamoussoukro a commencé à parler. L'autoproclamé petit enfant d'Oufuè Boigny a commencé à parler. Celui-ci qui le parti de plaisantin, le parti qui a failli quand ils étaient au pouvoir, le PDCI, ce qui compte pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Hé, hey, Adama, mais nous on est assis et puis on regarde. Et puis on assiste dans la bataille de Kirima, les opposants qui s'attaquent. Mes chers militants du PDCI, dites à votre président, Tidiane Thiam, que sur les réseaux sociaux, là, que sur les réseaux sociaux, les militants du RHDP, là, nous on est là et puis on regarde. Je ne vais pas aller chercher 1000 mots. Je ne vais pas aller chercher beaucoup. Je suis tombé sur une vidéo où Thiam est en train de dire que lui, il a toujours dit qu'il aime le sport. Et pour se justifier, c'est-à-dire pour justifier l'amour qu'il a pour le sport, là. Ah, donc on a compris. Monsieur le soi-disant haut fonctionnaire. Ah, donc quand la dernière fois tu es venu à Paris, là, et puis tu as commencé à faire selfie, là, dans les Jeux Olympiques, là, c'était pour te retourner à Abidjan pour aller nous dire que ça, c'est la preuve que toi, tu aimes le sport. On a compris. Donc, monsieur, le soi-disant haut fonctionnaire, parce que selon vous, au PDCI, Thiam, il a été fonctionnaire international. Je mets n'importe quel militant, je mets n'importe quel cadre du PDCI de venir, moi, Zulu, me dire que Thiam a été fonctionnaire international. Koro Kayima. Salut à toi, mon très cher frère. Fally Koussanogo, salut à toi. J'ai dit, je mets tous les militants, je mets tous les cadres du PDCI au défi de venir nous dire, de venir démontrer aux yeux des Ivoiriens que Tidiane Thiam a été fonctionnaire international. Et puis vous allez nous dire où il a travaillé, et puis il a été fonctionnaire international. Ça dit que quand on dit fonctionnaire international, c'est au RHDP, ça se trouve. Quand on dit les économistes ont été fonctionnaires internationaux, là, c'est au RHDP que ça se trouve. C'est pas au PDCI. Et personne ne peut venir nous dire le contraire. Chers frères et sœurs, vous voyez, nous devons prier Dieu
Adjana Minazata, Soleil de Kramoko, salam alaikum. Sanogo, Adama, salam alaikum à toi. Ça dit que nous, militants du RHDP, on doit prier Dieu pour que Thiam parle tous les jours. Oui. Parce que je vais vous dire, plus Thiam parle, plus nous sera content. Oui, oui. Plus il va faire notre joie. Oui, oui. Nous, on doit prier Dieu. Thiam n'a qu'à continuer de parler tous les jours. Voilà quelqu'un qui est venu s'asseoir en France ici. Je comprends maintenant comment il s'est retrouvé en France en train de s'asseoir dans les tribunes pour faire selfie aux Jeux Olympiques. Déjà après, c'était pour se retourner en Côte d'Ivoire, aller s'asseoir devant les militants du PDCI pour leur dire, quand je vous dis que j'aime le sport, là, vous avez vu les preuves. Ah, ok, on a compris. Ah, donc pour montrer aux Ivoiriens que toi tu aimes le sport, tu es venu aux Jeux Olympiques. On a compris. Monsieur le haut fonctionnaire, monsieur celui qui prétend être le petit-fils d'Oufé Boigny, monsieur celui qui prétend avoir construit la mosquée du plateau, monsieur celui qui prétend avoir fait les 59 projets du caïman d'Afrique, l'éléphant d'Afrique. Monsieur celui qui dit que on va rentrer dans le trou. Ah, ça là seulement, on va pas te permettre ça. Quand tu viens dans un village, il faut demander dans le village là. Quand tu viens dans un village, tu demandes d'abord est-ce qu'il y a un griot. Quand tu viens dans le village, tu demandes est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est spécialisé dans les proverbes. Tu demandes. Mais comme tu n'as pas demandé, et puis comme ça tu veux te lancer dans faire des proverbes, nous on va te dire que dans notre village en Côte d'Ivoire là, on a déjà quelqu'un qui fait proverbes tous les jours. Tu vas pas venir t'asseoir là comme ça et puis tu vas prendre la place de Charles Blé Goudé. Cette place de proverbe là, c'est occupé par Charles Blé Goudé. Tu vas pas venir t'asseoir là matin comme ça, tu vas prendre ça et puis tu vas t'asseoir dessus. Ça là, on va pas accepter. Ah oui, oui. Je vous ai toujours dit, quand tu t'opposes, quand tu veux devenir opposant du président Alassane Ouattara, quand tu veux devenir opposant au RHDP, si tu ne fais pas attention, tu commences à parler seul. C'est ce qui arrive aujourd'hui au président du PDCI. Le président du PDCI s'assoit devant les militants du PDCI pour leur dire qu'il voulait leur donner la preuve qu'il aime le sport. Voilà pourquoi il est venu faire les photos pendant les Jeux Olympiques à Paris. Monsieur le président du PDCI, en janvier 2024, la Côte d'Ivoire, le pays que vous voulez diriger en 2025, le pays que vous aimez tant a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. A commencé par la CAF, la Confédération Africaine de Football, en passant par la FIFA, en passant par tous les meilleurs joueurs du monde que vous pouvez imaginer, tous sont déposés pour dire que la meilleure CAN dans l'histoire de la CAN, c'est celle qui a été organisée en Côte d'Ivoire. Monsieur qui prétend devenir un jour président de la République de Côte d'Ivoire, on ne vous a pas vu. Montrez aux Ivoiriens que vous aimez tant le football, que vous aimez tant le sport. Je comprends maintenant pourquoi vous vous promenez et vous faites les selfies avec des hautes personnalités dans le monde. Je comprends maintenant. Parce que nous sommes convaincus qu'un jour, à part le fait que les militants du PDCI le disent, mais un jour, Thiam aura le courage de nous dire, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui, écrivez ça quelque part. Il aura un jour le courage de nous dire ici,
Est-ce que vous ne m'avez pas vu avec le directeur général du FMI en train de prendre photo? Vous savez que j'ai travaillé à la banque Suisse. Vous savez que j'ai travaillé ici. Vous savez que j'ai travaillé là. Ah, c'est ta politique qui est là. Ah, c'est à cause de ça, nous, on doit toi te voter pour que tu deviennes président de la République de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, il va se dévoiler tout seul. Il va se dévoiler tout seul. Laissons-le parler. Laissons-le parler. On ne se presse pas. Ok. Merci à toi, mon très cher frère Koro Kaïman. Bon boulot à toi. C'est pas facile, hein. Voilà, parce que moi-même, dans 4-5 heures de temps, je vais repartir. Je sais que c'est pas facile. Voilà, beaucoup de courage à toi et surtout encore merci pour les partages et merci pour les commentaires. Voilà. Théoule Kone, salut à toi depuis ta position. Je vais bien, merci. J'espère de même pour toi. Chers frères et sœurs militants du RHDP, tout ce que je peux vous dire, soyons sereins. Soyons sereins. Parce que, chers frères et sœurs, la vérité est de notre côté. La vérité est de notre côté. Tous ceux qui pensent aujourd'hui pouvoir se planter aujourd'hui pour dire qu'ils vont prendre le pouvoir, chers frères et sœurs, 2025 n'est pas loin. J'ai dit, laissons-les parler. Laissons-les parler. Il commence à se dévoiler tout seul. Parce qu'en réalité, il n'a aucun programme de gouvernement. Toi, tu aimes le sport. Ça va apporter quoi à nous, notre développement? Toi, tu aimes le sport. Mais les Ivoiriens qui aiment le sport en Côte d'Ivoire, là, mais ils sont trop. Que toi, tu viens nous dire que toi, tu aimes le sport. Mais est-ce que c'est de ça qu'il est question? Tu aimes le sport, ça c'est ton problème. La salle même dans laquelle tu es en train de parler, il y a plein de personnes là-bas qui aiment le sport. On veut que tu rentres dans ton plan de gouvernement. Qu'est-ce que tu proposes aux Ivoiriens que le président Ouattara n'a pas fait? Qu'est-ce que tu proposes aux Ivoiriens que les Ivoiriens n'ont pas encore vu? Quand tu vas venir prendre la place du président Ouattara, là, qu'est-ce que tu vas faire que le président Ouattara n'a pas fait? Ouattara, Naminata, salam alaikum à toi, ma très chère sœur, depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu vas montrer aux Ivoiriens que nous, on n'a pas encore vu? Parce que c'est ça le vrai problème. Nous, on t'invite sur le vrai terrain du débat. Qu'est-ce que tu proposes aux Ivoiriens? Tu t'es débarrassé du serpent, on a compris. Tu t'es débarrassé du bélier, on a compris. Tu t'es débarrassé du bœuf, on a compris. Tu t'es débarrassé de l'assassin, on a compris. Ok. Quand tu as fini de faire tout ça, là, reviens sur terre. Reviens sur terre. Et puis tu nous dis ce que tu offres aux Ivoiriens. Ce que tu vas donner aux Ivoiriens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que tu n'as pas encore dit. C'est ce que tu n'as pas encore dit. Dembatal. Ici là, c'est les Ivoiriens qui parlent. Ici là, c'est les citoyens de la CEDEAO qui parlent. Ici là, on n'a pas besoin de personnes qui ont détruit leur pays. Ici, c'est les hommes vrais. C'est les hommes concrets. On n'a pas besoin des citoyens de l'AES ici.
On dirait que tu n'as pas encore compris. On n'a pas besoin des citoyens de l'AES ici. Oui. Voilà. Excusez-moi, hein. Voilà. On n'a pas besoin des citoyens de l'AES ici. On a besoin des hommes dignes, des hommes fiers, des hommes qui sont capables de taper leur poitrine. Des hommes qui ne perdent pas leur temps à accuser les uns et les autres. Ici, on parle de pays développés. On ne parle pas ici de pays enclavés, de pays sous-développés, de pays de désert. Parce qu'exactement, c'est ce que tu es. Voilà. Donc, chers militants du PDCI, sachez une chose. Et c'est la chose la plus importante. Nous sommes dans une logique de développement. Nous sommes dans une logique justement, vous voyez, c'est ce qui me plaît chez les gens du PDCI. Ça dit que tout ce qu'ils vont te dire, il a fait ça là-bas, il a fait ça là-bas, il a fait ça là-bas. Maintenant, quand tu leur poses la question de savoir, il a fait tout ça là-bas. Mais ce qu'il a fait dans son pays, là, il faut me montrer là. C'est ça qui est impossible. Ah oui, le magicien est arrivé. Le magicien est arrivé. Mais le magicien n'a qu'à venir nous dire ce qu'il va faire. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Nous, on n'est pas dans les conneries. Quelqu'un qui va venir s'arrêter devant les gens pour dire non, vous êtes généreux. Je ne marche pas avec les gens qui sont dans la violence. Toi qui as violé la constitution de ton parti. Toi qui as été imposé. Parce que selon toi, tu appartiens à une tribu. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Je le dis haut et fort, chers frères et sœurs. Tidiam Tiam, du PDCI, là, montrez-nous sa maison en Côte d'Ivoire. Montrez-nous sa maison en Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement dans le faux que vous pensez qu'aujourd'hui, là, la seule personne qui peut vous sauver, c'est Tiam. Il peut vous sauver. Mais il ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore ses capacités. Francesco Vitulano. Ciao, collega mio. Come stai? J'espère que tu vas bien. Voilà, ça c'est mon collègue. Donc, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas nous narguer avec les histoires de Tiam. Il a travaillé à la banque Suisse. Et quand tu leur parles, ils disent non. Quand la banque est tombée en faillite, là, ils n'étaient plus là-bas. Mais, donc vous pensez que réellement, quelqu'un d'autre est venu à la place de Tiam et puis en un an seulement, il a été capable de faire tomber la banque suisse. Maintenant, vous avez nargué, vous êtes en train de narguer les gens qui ne comprennent pas. J'ai dit, je mets n'importe quel militant, n'importe quel cadre du PDCI au défi. Que quelqu'un vienne me dire si Tiam a été un fonctionnaire international. Parce que c'est là le débat. C'est là que vous venez expliquer aux gens. Est-ce que Tiam a été un fonctionnaire international? Il ne l'a pas été. Ça dit que, chers frères et sœurs, quand on vous parle du président Ouattara, le président Ouattara,
n'a pas seulement construit. Le président Ouattara a fait renaître la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est née une deuxième fois, sinon la Côte d'Ivoire était morte. Jusqu'à ce que le président Ouattara vienne prendre le pouvoir, la Côte d'Ivoire n'existait plus. La Côte d'Ivoire était morte. La Côte d'Ivoire était morte. Il a fallu le président Ouattara pour faire renaître la Côte d'Ivoire. Et ça là, personne ne pourra venir nous dire le contraire, parce que les preuves sont là. Personne ne pourra venir nous dire, Zulu de Bogota, ce que tu dis là, c'est faux, parce que les preuves sont là. Les preuves sont aux yeux de tout le monde. Que le président Ouattara a fait renaître la Côte d'Ivoire, c'est aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, partout où tu vas, tout le monde sait qu'en 2024, il y a eu un événement important en Afrique. La Coupe d'Afrique. Tout le monde le sait. Personne ne pourra me dire que même la Coupe d'Europe qui a eu lieu a eu plus de spectateurs, sinon de téléspectateurs, que la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y avait du tout, de l'ambiance, de la joie. Même ceux qui n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique étaient heureux, parce qu'ils savaient qu'on est envoyé là-bas très haute. La Côte d'Ivoire aujourd'hui fait la fierté des vrais Africains. La Côte d'Ivoire fait la fierté aujourd'hui des vrais Africains. Je le dis matin, midi et soir. Si le président Ouattara devait se comporter pour dire ceux qui ne m'aiment pas, je ne les aime pas, il serait là seulement aujourd'hui en train de travailler, seulement de développer, seulement le nord de la Côte d'Ivoire. Ceux-mêmes qui continuent de dire matin, midi, soir, on n'aime pas le président Ouattara. Le président a développé leur région, de lui-même sa propre région. Qui pourra venir nous dire le contraire? Venez nous dire le contraire. Personne ne peut venir nous dire le contraire. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Personne ne peut venir nous dire le contraire. Voilà des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire pendant 40 ans, 50 ans. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu. Jusqu'à ce que des soldats se mettent ensemble pour vous chasser du pouvoir. Et tous les Ivoiriens étaient contents. Parce qu'on vous a chassé. Parce qu'on vous a chassé, parce que vous étiez des vauriens. C'est vous aujourd'hui qui allez venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que les Ivoiriens doivent encore vous confier la Côte d'Ivoire. Militants du PDCI, opposition ivoirienne, je vous dis et je vous répète, retenez ça. 2025, c'est bouclé, c'est géré. Vous n'allez pas prendre le pouvoir ici. Vous n'allez pas prendre le pouvoir. Retenez ça. On ne vous donne pas. Ça dit, vous allez gâter. Ah oui. Quand Thiam dit, faut pas creuser le trou. Thiam, tu étais dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié quand la Côte d'Ivoire était en train d'aller dans la merde. Quand la Côte d'Ivoire était en train de mourir. Tu étais à l'hôpital. Tu étais considéré parmi, les médecins qui devaient sauver la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est en train de mourir. Chers frères et sœurs, il faudrait que le militant du PDCI prenne un jour son courage de venir dire aux Ivoiriens et d'expliquer l'arrivée du président Ouattara dans la politique ivoirienne. Pourquoi le président Ouattara est arrivé en politique? Pourquoi lui, qui était à la BCAO, a été appelé par le président Félix Houphouët-Boigny? Le président Ouattara a été le premier, tout premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il arrive en politique?
Le président Ouattara arrive en politique parce que ceux qui étaient autour d'Oufoué Boigny ont failli à leur mission. Il est facile aujourd'hui que les militants du PDCI viennent s'asseoir et dire aux Ivoiriens, oui, tous les cadres du PDCI, tous les cadres du RHDP sont riches. Tous les cadres du RHDP sont riches. Chers frères et sœurs, on va vous poser la question. Henri Konan Bédier, qui a dirigé le PDCI jusqu'à l'année passée, était considéré comme l'une des personnes les plus riches de notre pays. Dites-nous, ces milliards qu'il avait, où il les a fait sortir? Dites-nous. Ma très chère sœur, Toby Dosso, salam alaikum à toi. Hassan Sanogo, salut à toi mon très cher frère. Qu'il vienne nous dire où Henri Konan Bédié a enlevé ses milliards. Qu'il vienne nous dire tous ces cadres du RHDP quand le PDCI était au pouvoir, faisait la belle vie. Qu'il vienne nous expliquer. Qu'il vienne nous dire comment ceux-là sont devenus des milliardaires hier. Qu'il vienne nous expliquer. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas d'autre chose. On parle du vrai, du concret, de la réalité, de ce qui concerne les Ivoiriens. Ce dont on parle, pourquoi le président Ouattara arrive dans la politique ivoirienne? Il faudrait que les militants du PDCI aient un jour le courage de venir expliquer ça aux Ivoiriens. Parce que c'est ça. Mais je vous dis et je vous répète, les militants et les cadres du PDCI, ils feront tous les discours en 2024. Ils feront tous les discours en 2025. Mais jamais ils prendront le courage de venir expliquer aux Ivoiriens pourquoi le président Ouattara arrive en politique. Jamais. Ils ne viendront jamais nous expliquer cela. Parce qu'ils savent que le jour ils font erreur pour expliquer aux Ivoiriens pourquoi le président Ouattara est arrivé en politique, ce jour-là, c'est fini pour le PDC. C'est fini pour le PDCI. Nous, on a lutté pour avoir ce pouvoir. Nous, on a lutté pour avoir ce pouvoir. Et que personne ne pense, personne ne se blague, croyant que on va leur donner ce pouvoir. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Oui. Henri Konan Bédié est le seul Ivoirien qui a fêté ses milliards en Côte d'Ivoire. Fêté ses milliards en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas venir nous anarquer. Vous n'allez pas venir nous anarquer. Nous sommes au courant, nous sommes informés. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Je vous remercie. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Mama Tumfat, salam alaikum à toi, ma sœur. J'espère que tu vas bien. Ok. Bon. Merci et bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Que Dieu donne longue vie et protège encore pendant des années et des années le président Ouattara. Chers frères et sœurs, nous avons notre destin en main. Nous sommes au pouvoir. C'est nous qui accepterons de donner le pouvoir à l'opposition. Sinon, il n'y a rien. Je dis et je répète, longue vie à toi, papa Ado. Longue vie à tous les collaborateurs du président Ouattara. Longue vie à tous les militants et militants du RHDP. Longue vie
à tous les sympathisants et sympathisantes du RHDP. Restons focalisés. 2025, c'est pour nous. 2025, c'est bouclé, c'est géré. C'est ça qui les fait mal. Mais on va leur dire.